Lui devant. Lui. Oh! On va bouger. En ce moment, c'est un Mikado et ben, il faut qu'on place bien les grumes là parce que ceux-là, ils sont mis dans la bonne direction. Il faut qu'on arrive à les remonter, mais directement avec les chevaux pour que le tracteur puisse les prendre facilement. Et chaque chantier est différent. La forêt d'Oria nous demande de protéger, d'avoir quand même du rendement parce qu'on est payé au mètre cube. Parce qu'il faut avoir du rendement. Et il ne faut pas négliger la préparation de ses chevaux. Quand c'est à des passages dangereux, on lui dit fais attention et tout ça. Tout c'est des mots que le cheval va apprendre et qui va faire que le cheval va faire attention. Dès l'instant où je leur dis haut, moi c'est haut, c'est assez sec. Hein. C'est pas. Je leur murmure pas à l'oreille. Redresse ça, celle-là. Oh! Devant. Un petit. Oh! Plusieurs entreprises ont été consultées par rapport à ce projet de construction d'observatoire. Et l'entreprise a été retenue pour la singularité de ce projet, construction en fuste, rondin, donc la cabane au Canada, classique. Pour nous, l'intérêt aussi général et complet du projet, c'est que le bois qui a servi à la construction de cet observatoire provient de la réserve, a été exploité sur la réserve sur une propriété du conservatoire du littoral, a fait l'objet d'un débardage à cheval pour limiter les impacts de l'exploitation sur la réserve. Et une autre partie de ce bois a servi à fournir des plaquettes de bois énergie. Donc, contribution également à la filière bois. Donc, c'est un projet complet en termes de développement durable. C'est un artisan local, ce qui a permis de réduire les coûts liés au transport ou les émissions de gaz liées au transport. Donc, c'est vraiment un projet de territoire, un projet local. Ce qu'on souhaite démonstratif, un peu pilote par rapport aux missions d'un parc naturel régional. Donc là, on combine la gestion d'un espace naturel, la sensibilisation à l'environnement sur un observatoire de faune, le développement local d'un territoire avec des entreprises locales qui ont contribué à la construction de cet observatoire. L'observatoire, lui, se constitue d'un angle qui n'est pas un angle droit et qui va épouser la forme naturelle de l'anse du lac du temple où on va se trouver. Donc ça a été une idée du directeur du parc de pouvoir orienter l'observatoire d'un côté et de l'autre du lac. L'implantation est en fait ici sur le site de fabrication et celle-ci correspond exactement à l'implantation qui a été faite sur le site définitif où là déjà quelques plots en dur ont été créés pour recevoir cet observatoire. Pour ça, il va falloir qu'on procède à un traçage de pré-entaille. Donc ce traçage de pré-entaille, vous le voyez ici, là, c'est un traçage au feutre qui a été réalisé aussi par le compas. Donc vous avez une pré-entaille de chaque côté qui correspond donc à chaque angle. Et quand on va reposer ce rondin sur celui du dessous, tout à l'heure, on va s'apercevoir qu'on s'est rapproché à peu près de 5 cm sur toute la longueur par rapport au rondin qui est en dessous. Et grâce à ça, on va pouvoir faire un traçage final qui sera beaucoup plus précis. Voilà, d'où l'intérêt de faire une pré-entaille. Donc une pré-entaille a déjà été réalisée avant de repositionner le rondin et pouvoir procéder au traçage final et après l'entaille finale. Donc pour ça, on utilise un compas à deux niveaux, droite-gauche et avant-arrière, que vous voyez ici. Là. Donc c'est grâce à ce compas qu'on va pouvoir reproduire la forme du rondin qui est en dessous sur celui qui est au-dessus. Et c'est grâce à cet outillage que l'on va pouvoir correctement ajuster les bois.
L'observatoire est situé dans la partie sud-ouest du lac du Temple, en bordure de plans d'eau permanents, hein, puisqu'on a juste devant l'observatoire l'ancien étang de Lauzon, un peu plus loin l'étang du Rossignol, et en face de nous se situe l'île du Temple, qui est une île quasi permanente, qui fait une douzaine d'hectares. Donc l'intérêt de ce site par rapport à la faune et aux espèces qu'on peut y observer, il est bien sûr lié aux oiseaux d'eau en général, aux oiseaux migrateurs, mais également au reste de la faune sauvage, et notamment sur ce site, puisque la réserve et les lacs en général ont un intérêt particulier pour la grande faune forestière. Donc ici, il est fréquent d'observer, comme c'est le cas aujourd'hui en pleine journée, des sangliers, parfois des chevreuils ou parfois des cerfs.